ça, mon pauvre ami, ça m'est complètement égal. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Gilles Goello. J'habite Cavignac. Ah, vous êtes un paysan? Avec votre mine, je m'attendais à mieux. Et vous, comment c'est votre petit nom? Je n'ai pas de petit nom. Je m'appelle Judith de Saint-Mélaine. Adieu. On t'attend. Je sais qui est ton père, Gilles. C'est vrai? Ouais. Dites-le moi, je vous en supplie. Ton père est l'avant-dernier descendant du Gerfaut, le dernier, c'est toi. Mais le Gerfaut, c'est un oiseau, monsieur. Le jour de son mariage, Olivier de Tournemine, en l'an 1214, reçut du duc de Bretagne en présent de noces un grand Gerfaut blanc venu du nord. La légende raconte qu'Olivier se prit d'une affection presque exclusive pour le rapace. Il en fit son compagnon et son arme, la plus terrible. Hommes ou bêtes, quand l'ombre de ses ailes s'étendait sur la campagne, rien ne pouvait lui échapper. Encore aujourd'hui, les paysans du Trégor horrifiés confondent dans une même horreur le maître. Allez, on s'aide. Allez, la troisième. Allez, en avant. Attends, poussez fort. Attaque. Et en marchant. Allez, pointe. Et figure. Et attention, hop là! Laissez-vous face à la scie. Ouais. 1, 2, 3. Bien soin de mon cheval. Hein. Dites-moi, Noël, mais c'est Merlin. Ah, sans l'ombre d'un doute. Et sans l'ombre d'un doute. Examinons cette affaire. Monsieur le comte, monsieur le vicomte. Ah, maître Briand, quel est le dernier voyageur arrivé aujourd'hui chez vous? Ma foi, je crois que c'est ce monsieur que voici. Il m'est recommandé par mon cousin Germain pour une chambre, imaginez-vous, à Brest, aujourd'hui. Je viens de voir dans la cour un fort beau cheval. On me dit qu'il est à Brest. C'est vrai, monsieur. Ils sont en bonne main. Je vous dis tout de suite. Thank you.
mort à l'aube. Au moment où les Anglais sortaient de Yorktown pour venir déposer leurs armes devant Washington et Rochambeau. Et moi, je l'ai pleuré comme si je l'avais toujours connu. Regarde bien, Pongo. Jamais tu ne trouveras réuni autant de grâce et de beauté. Alléluia, frère Gerfaut. Beaucoup de belles femmes. Beaucoup de scalpes blanchis. Ici, maison de la reine? Oui, mon frère. Trianon est le lieu de prédilection de Marie-Antoinette. Messieurs, le roi! Un verre de vin de champagne vous ferait-il plaisir, ma chère? Il me ferait très plaisir. Aimez-vous ce jardin, sûr? Absolument charmant. Voici le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Voilà, ami Fersen. Fersen ?